Avec le son unmuté, ça va aller mieux. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va mieux que moi, en tout cas. Parce qu'en fait, j'ai du retard. Alors, pourquoi qu'il y a du retard? C'est que, pour faire une histoire courte, j'ai un nouveau laptop. Nouveau laptop que j'ai reçu juste avant les fêtes. Et que j'ai remonté depuis. Tout se passait super bien. Seulement une dizaine de minutes avant le début d'émission, évidemment, les problèmes ont commencé à apparaître et je me suis aperçu lorsque je lançais l'application OBS pour streamer sur Twitch et j'avais un beau crash. Donc, en panique, j'ai sorti mon vieux laptop que j'avais tout prêt, j'ai rebranché et j'avais aussi le même problème. Donc, finalement, la problématique, c'est pas mon nouveau laptop, c'est une librairie de Fedora qui a été mise à jour qui cause un problème, donc j'ai réussi à la downgrader. Et je suis rendu là avec vous, donc il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de musique avant l'épisode, parce que j'ai pas eu le temps de tout remonter comme il faut. J'espère, pour ceux qui m'écoutent, là, j'espère que le son est bon. Pouvez-vous me confirmer dans le chat, là? Je pense qu'Éric, tu es là, tu peux me dire si tout est correct. De ce que je peux voir, ça semble être OK ici. Oui, ok. Merci, Eric. Excellent. Donc, première émission de l'année. Première émission qui a pris du temps à arriver. En fait, tout le mois de janvier, j'avais en tête de recommencer les émissions, mais beaucoup de travail sur la table. En fait, je vous explique ça dans quelques minutes. Donc, peut-être pour bien commencer l'année, vous souhaitez à tous et à toutes et à tous, une bonne heureuse année 2019. Je souhaite beaucoup de projets cette année, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur avec votre famille. Et j'espère que vous allez avoir des beaux projets. J'espère que vous aurez des choses qui vont vous motiver parce que c'est ce qui nous tient en fait allumés, c'est ce qui nous tient réveillés. Donc aujourd'hui, mon plan de match, déjà je me suis fait amputer 7-8 minutes avec ma problématique. Je suis encore désolé. Ce que j'ai comme plan de match, en fait, vu que ça fait un mois et demi qu'on s'est pas, qu'on n'a pas eu la, presque un mois et demi qu'on s'est pas vu. Donc, il y a beaucoup de nouvelles, bien sûr, qui se sont passées. Malgré le temps des fêtes, la technologie continue d'évoluer. Donc, beaucoup de nouvelles. On va faire la tournée de ces nouvelles-là. Beaucoup de sorties aussi qui ont été faites en début d'année. Pour ceux qui suivent, ou ceux qui ne suivent pas, ben, je vais vous faire un petit résumé de ce qui a été relancé, qui a été lancé dernièrement chez Red Hat. Et à la fin, tout dépendamment le temps qui va nous rester, parce que je suis attendu sur un appel immédiatement après cette diffusion-là, je veux compléter les nouveautés de REL 8. On en a déjà fait deux épisodes. Alors pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, si vous voulez aller voir vraiment les grosses nouveautés dans REL 8, là, je les ai couvertes en gros sur l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc ce qui reste aujourd'hui, c'est des petites choses, des petites notes à vous passer. Donc pour ceux qui aimeraient ça, écouter les deux autres épisodes, les épisodes précédents, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Donc je passe le lien dans le chat, juste ici. On va aller voir ça ensemble en même temps. Donc voici ma chaîne, rien de d'extravagant ici, c'est vraiment dépôt, dans le fond, des archives, des émissions que je fais. Donc j'ai 12 émissions de complétées, on est la 13e aujourd'hui. Donc les deux dernières couvrent REL 8 en détail avec les démonstrations. Donc je vous invite à aller les chercher, aller les regarder, pardon. Je vais juste baisser ça ici. Donc juste vous montrer aussi que dans la description du vidéo, je mets tout le contenu avec le début de l'émission, puisque souvent, et la musique au début, là, pour passer ça, vous avez juste à cliquer sur le temps qui est ici. Vous avez tout le détail avec même des petits scripts des fois que je rajoute. Donc l'information est intéressante aussi dans la description. Je vous invite en même temps à vous abonner à ma chaîne parce qu'en 2019, je vais continuer d'évoluer ce que je fais avec ma chaîne sur Twitch. Je vais peut-être aussi commencer à faire évoluer un petit peu plus ma chaîne sur YouTube. En fait, j'ai l'intention peut-être de publier des vidéos hors ligne, hors Twitch, des vidéos avec du montage sur des sujets en particulier, peut-être des petites capsules. Donc, Eric qui m'a suggéré ça il y a quelques semaines. Je trouvais l'idée bonne. Donc, je vais reprendre ça cette année. Ça va dépendre, bien sûr, du temps que j'ai disponible. Mais
Donc, je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Donc, à chaque fois que je vais déposer ces petites capsules-là, vous allez recevoir une notification. Mauvaise caméra, désolé. Aussi, pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils regardent l'épisode, vous pouvez joindre aussi ma liste de diffusion. Donc, si vous voulez être notifié par courriel des prochains épisodes, vous m'envoyez un courriel. Vous voyez ici en haut mon courriel avec comme sujet abonnement à Twitch et vous allez être ajouté sur cette liste-là. Donc, j'envoie un rappel quelques jours avant et la journée même. Malheureusement, au travers Twitch, je ne peux pas contacter les gens qui sont abonnés à moi. J'ai une cinquantaine de personnes abonnées. Je n'ai pas de moyen de les contacter directement. Donc, si vous voulez joindre ma liste de diffusion, toujours le fun de pouvoir se parler en dehors, de pouvoir vous rejoindre du moins par courriel si j'ai des changements à l'horaire ou peu importe. Comme aujourd'hui, j'ai failli canceller quand j'ai vu qu'il n'y a plus rien qui marchait. Petit moment de panique. Mais finalement, grâce à Google et grâce au mailing list de Fedora, j'ai trouvé rapidement la librairie qui était problématique. Donc, ça fait partie hein, du défi de travailler avec des distributions cutting edge. Hein, une mise à jour peut casser des choses et c'est ce qui est arrivé. J'ai quand même été chanceux pendant plusieurs mois. Je fais les mises à jour régulièrement sur Fedora et je n'ai pas eu de problème avec OBS. Ça, c'est la première fois que OBS, qui est le logiciel que j'utilise pour streamer, m'a fait des problèmes. Donc, beaucoup de nouveautés à vous parler. Tout d'abord, vous parler de ce que j'ai travaillé dans le dernier mois et demi. Oui, il y a eu les fêtes, on a eu un congé, j'ai arrêté presque 2 semaines dans le temps des fêtes, mais quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Comme je disais tantôt, j'ai un nouveau laptop. Malheureusement, je voulais vous le montrer. Pas que je voulais vous montrer, mais je voulais streamer avec le nouveau laptop. Malheureusement, je ne pourrais pas, mais je peux vous le montrer ici, parce que je ne l'utilise pas. Très, coupe très classique, ThinkPad, donc c'est un P50, pardon. C'est incroyable comment Lenovo n'évolue pas en termes de design de laptop. C'est le même depuis des années, depuis IBM. Ce qui a changé, on voit un petit peu de rondeur sur les coins, disposition du clavier un petit peu, mais sinon c'est le même design. Quand même assez massif, vous devriez voir le power supply qui vient avec ça, c'est quand même énorme, un power supply de data center, mais le pire, c'est avec le docking station, le power supply est quasiment 2 fois plus gros. Donc, parce que j'ai un docking station aussi que j'utilise, très pratique quand on se déplace pour arriver à la maison, et on se branche très rapidement sur le système de la maison, le clavier, souris et l'écran, bien sûr. Donc, j'ai installé Fedora 29, dernière version. Même problème aussi à cause d'OBS. Wayland, OBS n'est pas compatible avec Wayland, donc j'ai été obligé de désactiver le Wayland, mais je l'avais fait pour les autres versions de Fedora dans le passé. Wayland prend de plus en plus de place, de plus en plus populaire, donc on devrait avoir plus d'applications supportées Wayland, incluant OBS, j'espère. Sinon, juste avant les fêtes, pour sortir un petit peu de l'informatique, juste avant les fêtes, j'ai parti un projet. En fait, j'avais un véhicule que je devais changer, donc une Honda Odyssey, que ça faisait 10 ans enfin que j'avais. Une Honda Odyssey qui a très bien servi la famille. Je me rappelle la première journée que je suis allé essayer l'Honda Odyssey, il y a 10 ans. Ma fille venait de naître. On avait des petits problèmes d'espace, en fait, dans le temps des fêtes. J'avais un RAV4, on avait un problème d'espace pour emmener tout ce qu'il fallait emmener en famille. Donc, je m'étais dit, on va acheter quelque chose de gros. Fait qu'on a dit, allons-y avec une minivan. Ça a été difficile à accepter psychologiquement, passer une minivan. Mais aujourd'hui, après 10 ans, je peux vous dire que ça a été hyper pratique. J'ai jamais regretté mon choix. C'est sûr que c'est moins le fun à conduire, moins sexy. Mais quand on a des jeunes enfants avec un paquet de choses à traîner, avec une van, on amène tout ce qu'on a besoin, on n'est jamais limité. Donc, ma van a fait 10 ans, elle a très bien servi, je devais la changer. Et parce qu'elle commençait à tomber en morceaux après 10 ans, commençait à faire beaucoup de réparations. Donc, j'ai commencé à magasiner les autos et je ne sais pas si vous êtes comme moi. Donc, avant les fêtes. Je suis allé acheter le guide de l'auto 2019 pour voir ce qui se faisait de bien comme véhicule en 2019. Comme ça faisait 5 ans, je n'avais pas vraiment magasiné ça. Oui, on se fait inonder d'annonces. Comme vous pouvez voir, vous avez peut-être vu rapidement, là, mais ici, hein, regardez toutes les autos. Donc, avec mon fils, on a fait le tour
On a fait le tour du livre et on a spoté ce qui nous intéressait. Je devine que vous faites pareil. Ça fait partie du plaisir de se magasiner une auto. Dans le fond, dans les objectifs qu'on avait avec la nouvelle auto, c'est qu'on voulait rapetisser, bien sûr, prendre quelque chose de moins gros. Les enfants sont plus vieux, les besoins ont changé. Je voulais que ça consomme moins d'essence. Et je voulais aller aussi du côté un peu plus vert, un peu plus du côté électrique. Et certes, il y en a, le choix d'année en année grandit en matière de voitures électriques, mais le prix ne baisse pas beaucoup. Donc, le prix des voitures purement électriques aujourd'hui est un peu hallucinant. Donc, j'ai commencé par regarder, bien sûr, du côté Tesla. Donc, Tesla, le côté Model X. Donc, je suis allé le voir avec mes enfants parce que ma femme est venue avec nous, mais elle n'a pas jamais voulu rentrer dans le magasin. Donc, voiture un peu, super voiture en passant. Là, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés la voir. Donc, le visuel de la voiture très futuriste quand on est assis dedans, on a vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial pratiquement. Par contre, le prix ne fait pas du tout. On parle prix de base de 120 000. 120 000 $ pour un auto électrique. Pour un auto pour rouler, en fait, qu'elle soit électrique ou pas, on roule, ça nous déplace. 120 000 $, c'est le prix. On peut avoir une maison à ce prix-là. Donc, j'ai vite tourné la page, malheureusement, sur la Tesla. Donc, j'ai regardé ce qui se faisait, ce qui s'en venait dans la voiture électrique de grosseur de type vue. Il n'y en a pas des tonnes. Hein. Il y en a. Jaguar en a un qui est très, très, très belle aussi, qui est l'I-Pace, mais à 90 000 $ et plus, c'est encore pas donné. Donc, je suis allé du côté, regardez du côté hybride. Côté hybride, il y en a quelques-unes. Toyota, entre autres, avec son RAV4. Donc, mais je trouvais un petit peu l'auto petite. Oui, peut-être pas assez grand pour ce que je cherchais. Puis aussi, le système hybride est particulier. Il faut rouler hein, si on veut vraiment optimiser le système hybride. Si on ne roule pas, comme c'est mon cas, je ne roule pas beaucoup, hein, 16 000 kilos par année. Donc, j'ai regardé pour d'autres choses. Finalement, mon choix est arrêté. Je pense que vous le voyez en arrière ici, donc sur le Outlander de Mitsubishi, qui est un auto hybride, qui est en fait, ça s'appelle un FEV, donc Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Donc, c'est un véhicule hybride qui vient avec une batterie, bien sûr. Batterie, on ne s'attend pas avec ce genre de véhicule-là à faire 200-300 km sur la batterie. Ce n'est pas le but des voitures hybrides. Le but des voitures hybrides, c'est vraiment faire travailler les deux moteurs pour aller chercher un maximum de retour. Donc, mon choix s'est arrêté en fait sur ce véhicule-là, parce que en fait, avant les fêtes, je suis allé le voir. Je l'ai essayé rapidement. Et comme toutes les voitures électriques, si vous avez jamais essayé de voiture électrique, là, je vous invite à aller le faire, juste pour le fun, à aller chez un concessionnaire n'importe quel, ça peut même être Tesla. Là, gâtez-vous chez Tesla. Faites-en l'essai, vous allez voir comment c'est doux pour rouler avec ça. C'est vraiment impressionnant. Donc c'est ça. Fait que je suis allé aller voir avant les fêtes et le directeur m'a dit, ben écoute, si tu veux, le directeur des ventes m'a dit, si tu veux, je peux te la prêter l'auto. Je peux te la prêter pendant une fin de semaine, comme ça tu vas pouvoir tester comme il faut la route habituelle que tu fais, qu'est-ce que tu fais la fin de semaine avec ton auto. Fait que je trouvais l'idée géniale, fait que j'ai sauté là-dessus. Il y a deuxième semaine de janvier, deuxième fin de semaine, je suis allé la chercher un vendredi. Et je l'ai eu toute la fin de semaine jusqu'au lundi soir. Donc j'ai pu la tester, je suis allé au chalet avec. Je l'ai testé aussi pour aller voir des clients le lundi. Et j'ai vraiment tombé en amour avec la conduite de ce véhicule-là. Donc, et finalement, je l'ai acheté. J'ai pris possession de l'auto vendredi dernier. Donc, ça fait exactement une semaine que j'ai le véhicule. Et j'ai roulé cette semaine. Croyez-moi que j'ai roulé. Je l'ai essayé dans toutes les conditions possibles, du gros froid, des tempêtes. Et j'ai testé les différents systèmes. C'est super le fun à conduire, encore une fois, là, le volet électrique, là, vraiment, la différence qu'on sent lorsque le moteur à gaz embarque, on sent plus de vibrations, on n'a pas la même tenue de route non plus du tout que sur l'électrique. Donc, on se promène de l'un à l'autre avec le véhicule. On peut forcer le module électrique. La batterie a une autonomie de 35 km. Ça veut dire que c'est pas beaucoup. Mais généralement, c'est ce que je fais quand je sors, environ 35-40 km. Donc, je me déplace vers Québec. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Donc, j'arrive à faire des sorties pratiquement complètes sur l'électrique. Donc, je vais vous montrer, en fait, dans mon sujet d'émission aujourd'hui, je voulais, j'ai mis à qui sa voiture électrique. En fait, comme tout bon informaticien, comme il y a d'électronique dans cette voiture-là, je commençais à chercher un petit peu à lire sur les différents forums, à lire sur Internet, et j'ai trouvé des forums de discussion
vraiment des gens qui tripent sur la voiture et qui ont comment, qui même des programmeurs qui ont fait plein d'affaires super le fun pour la voiture. Et ça m'a permis de découvrir en fait une communauté autour de la voiture. Une communauté comme on retrouve dans le monde du logiciel libre, mais spécifiquement pour la voiture. J'ai trouvé ça génial. Les gens postent, donnent des trucs sur comment arranger son véhicule, comment l'améliorer, comment aller chercher les données, comment extraire les données du véhicule, de l'ordinateur du véhicule. Donc, je vais juste vous montrer là, avant de poursuivre. En fait, ce que je compte faire un peu avec l'auto, j'ai trouvé une personne, monsieur de l'Ontario, qui, ça fait un an, qui possède le véhicule, le Outlander. Il en a fait sa chaîne vidéo à toutes les semaines, même 2 fois par semaine, il va mettre une vidéo sur ses aventures avec son auto. Et il la teste dans toutes sortes de conditions. Et la semaine passée, il l'a testé, cette semaine en fait, au début de la semaine, à moins 38 degrés, il a fait rouler l'auto sur 22 km purement électrique. Donc super le fun ce qu'il a fait. Puis ça m'a donné l'idée, ben peut-être que vous aussi, vous vous magasinez un auto, vous aussi, vous êtes tripeux, vous êtes tripeux d'informatique, vous voulez taponner dans un véhicule électrique. Donc peut-être faire une petite vidéo, vous montrer ce qu'on peut faire avec cette voiture-là. Donc je le ferai en dehors de Twitch. Vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air à l'intérieur, puis qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme données, comment on peut manipuler cette auto-là avec notre téléphone et déclencher des événements aussi avec l'auto. Donc c'est super, super le fun. Je me suis amusé beaucoup depuis une semaine avec l'auto. Et je découvre encore des choses à tous les jours, justement en regardant les forums de discussion. Donc, je vais juste vous montrer, avant de poursuivre, une application, juste pour vous donner le goût peut-être, là. On va aller sur mon écran ici. Ça s'appelle Fev Watchdog. Okay. Ça, c'est une personne qui développe ça pour le fun. Un propriétaire sans doute d'un auto Mitsubishi qui développait une application pour Android seulement, ça ne marche pas sur Apple pour l'instant. Mais quand on a besoin d'un petit connecteur OBD2, OBD2, pardon, petit connecteur qu'on branche dans l'ordinateur, dans le port d'ordinateur de l'auto. Et ce connecteur-là communique par Wi-Fi ou Bluetooth. Moi, j'ai acheté un modèle Bluetooth, mais il y a des modèles Wi-Fi aussi. Et ça permet d'aller interroger ce qui se passe dans l'auto et sortir un paquet de métriques. Et je n'étais pas au courant, là, mais un auto, là, l'ordinateur collecte une quantité astronomique d'informations sur ce qui se passe dans l'auto. Donc, je vous montre ça. Donc, première des choses, ce qu'on voit ici, très rapidement, on voit qu'il y a 310 véhicules, en fait, excusez, qui sont recensés. Donc, c'est 320 personnes qui se connectent sur ce système-là, qui possèdent un Outlander et qui envoient de l'information. Donc, on voit la puissance de la batterie ici. Bon, on voit qu'elle se dégrade au travers le temps, mais on passe en moyenne là, de 35 à. Si je fais 160 000 km en 10 ans, ici à peu près, là, on va baisser à 32. Donc, on va perdre à peu près 3 ampères, 3 ampères heure. Donc, il y a une dégradation, mais ce n'est pas une dégradation énorme. Donc, c'est le genre d'information qu'on trouve qui est le fun sur ce site-là. Donc, ça, c'est des statistiques globales. Donc, on est 23 au Canada qui envoient des informations de notre véhicule sur ce site-là. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que les gens qui utilisent ce véhicule-là passent 66% de leur temps en mode purement électrique. Sinon, en mode gaz, c'est 18. Le mode de glide ici, c'est le mode pour lequel vous laissez aller l'auto, puis rien qui se passe. Donc, ni le moteur à gaz, ni le moteur à essence roule. Et en mode régénération, c'est lorsqu'on descend une côte ou qu'on freine, ben, ça régénère la batterie. Donc, il y a quand même une portion assez importante de génération qui est faite par les utilisateurs. Donc, moi, ce que je vais vous montrer ici, j'ai toutes mes données sont synchronisées sur le système ici. Donc, j'ai des cards ici. C'est lorsque j'ai sorti le véhicule plus d'une fois dans une journée. Mais mettons, j'y vais par journée, là. J'ai reçu mon petit dongle 3-4 jours, donc c'est mes 3 dernières journées. Regardez, il y a une journée, là, j'ai passé 91% sur la batterie. Et regardez toutes les statistiques que ça va collecter. Donc, il y a un GPS dans l'auto, donc indique où par où je suis passé. J'ai roulé cette journée-là 91% sur l'électrique pour une distance de 31 km en fait. Donc, ici, le petit avion, il ne s'est rien passé pendant 2,7%. Ici, ça s'est régénéré pendant 18,8%. Et ici, j'ai été arrêté 15,1%. Donc, c'est hallucinant, là, toutes les métriques possibles que le système peut chercher, pas le système, mais que l'auto peut fournir. Donc, au travers de cette application-là,
On a du détail, on a des choses super le fun. Je vais vous montrer aussi, je ne sais pas si c'est ici qu'on le voit. Non, au niveau de la batterie, regardez ça ici au niveau de la batterie. Ça, c'est la recharge complète de ma batterie. Donc, je vais recharger à 98,2%, 37,3 ampères. Alors, je ne sais pas si on l'a ici, oui. La charte des cellules de la batterie. Ça aussi, c'est vraiment impressionnant. Donc, je peux consulter chacune des cellules. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on ne l'a pas en temps réel, là, mais quand vous lancez l'application sur votre téléphone, vous avez vraiment, vous voyez votre batterie qui a réagi cellule par cellule. Donc, tout ça est collecté par l'ordinateur de l'auto et on peut la consulter. J'ai vu des gens aussi sur les forums se connecter en Telnet, lancer du code assembleur à l'intérieur. Donc, vraiment super, là, super, là, super techie comme, comme concept. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné le goût de vous acheter un petit véhicule électrique. C'était le but. Donc, bref, je reviendrai sur mon aventure avec l'auto électrique, mais jusqu'à présent, après une semaine, j'adore ça. La famille adore ça. C'est un beau véhicule, roule super bien. Je n'ai pas besoin de tanker encore. En fait, le concessionnaire a rempli la voiture avant de la vendre, bien sûr. Et je devrais tanker peut-être en fin de semaine. On va au Chenin en fin de semaine. Donc, lorsque je fais des plus grandes distances, c'est sûr que le moteur électrique ne tient pas, fait que le moteur à gaz embarque. Donc, je devrais peut-être taker en fin de semaine. On verra. Sinon, quoi d'autre? À part mon auto, qu'est-ce qu'on a travaillé? Qu'est-ce que j'ai travaillé d'autre qui a pris beaucoup de mon temps en janvier? Une des raisons pourquoi je n'ai pas fait d'émission avant le 1er février. Je suis en promotion pour devenir un architecte principal. Donc, ça fait des mois, je pense que j'en avais déjà parlé, là, ça fait des mois qu'on prépare ça. Mais là, vraiment, le moment pour présenter s'en vient, approche. J'avais un paquet de documents à remplir. C'est vraiment impressionnant. J'ai dû produire cette semaine, dans les 2 dernières semaines, pratiquement 25 pages de documents sur ce que j'ai fait chez Red Hat depuis que je suis arrivé. Donc, je devais remettre ça. Je dois aussi repasser, recertifier RHCE. Donc, je suis RHCSA. J'ai eu mon RHCE dans le passé, mais il a expiré. Donc, je refais mon étude à RHCE. 7, malheureusement, 8 s'en vient, là, mais il faut que je le fasse très prochainement. Donc, je vais réétudier. Je devrais compléter d'ici une semaine ou deux. Sinon, côté clientèle, beaucoup de démarrages de nouveaux projets en début d'année, beaucoup de migrations de satellites 5 et 6, beaucoup de nouvelles implémentations OpenShift. Je travaille un gros dossier aussi de migration de Unix à Linux. Un client Québec. Et oui, il reste encore des gens Unix dans le coin. Je m'amuse aussi avec CEF, avec un autre de nos clients. Et finalement, c'est la fin de l'année fiscale. Donc, fin février, c'est la fin de l'année fiscale. Donc, des opportunités à closer. C'est sûr que c'est généralement c'est les vendeurs qui vont travailler plus là-dessus. Finalement, vous avez sans doute vu passer les rugs. Je vais les annoncer dans quelques instants. Il y a des rugs qui s'en viennent. Donc, j'ai préparé les agendas pour Québec, trouver un endroit. C'est toujours le challenge à Québec de trouver une place où faire les rugs. J'essaie de faire ça des endroits différents, pas toujours à la même place. Et je pense que j'ai trouvé un super endroit, là. Je pense que vous allez adorer, les gens de Québec. Autre projet aussi, vraiment, le mois de janvier, hyper, hyper chargé, comme vous pouvez voir. J'ai commencé, en fait, mon fils passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, comme c'est sans doute le cas de plusieurs d'entre vous. Les enfants jouent beaucoup de Fortnite. Et je suis vraiment. Ici, la règle à la maison, en fait, c'est que les enfants, une journée sur deux, ont de l'électronique. La journée qu'ils n'ont pas d'électronique, ils font d'autres choses. La journée qu'ils ont de l'électronique, par exemple, on les contrôle, on essaie de proposer d'autres choses, mais c'est difficile à négocier. Fait que mon fils, ce que je lui ai dit, j'ai expliqué, j'ai dit, écoute, Eliott, tu passes énormément de temps sur l'ordinateur à jouer, mais tu pourrais passer du temps pour apprendre des choses, pour devenir bon en informatique ou dans un domaine, en graphisme, peu importe. Si tu mettrais peut-être 1 heure par jour quand tu as ton électronique, puis là, le reste du temps, tu peux t'amuser. Je dis, ça serait super bénéfique pour toi. Puis mon fils, assez intelligent, a catché. Donc, il m'a proposé, en fait, c'est la plusieurs fois que j'y parlais, d'apprendre Python. Moi, de mon côté, je connais Python. Je ne suis pas un programmeur Python, mais j'ai écrit quelques lignes Python dans le passé. J'arrive des fois que je vais jeter un œil dans du code Python, des fois essayer de corriger des choses, mais je m'étais dit à un moment donné, il faudrait que je focus mon temps pour apprendre plus Python. Donc prendre du temps, je me dis focuser mon temps. Prendre plus de temps pour apprendre Python et
Belle opportunité qui se présente à moi. Mon fils veut l'apprendre. Donc, j'ai un cours, j'ai acheté sur Udemy, j'ai payé 20 $, là, introduction à Python 3. Donc, on fait ça ensemble, tous les soirs, une petite demi-heure ensemble. On fait des modules, des exercices. Donc, ça le motive et moi, ça me remet en fait dans Python. Et peut-être que je vais pouvoir aider des projets open source Python. Donc, David, peut-être, je ne sais pas si tu es là aujourd'hui. Je sais que tu cherches souvent des contributeurs pour t'aider dans ERA. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je serai en mesure de pouvoir te donner un coup de main. Et finalement, et c'est la saison du ski qui bat son plein. On a eu une drôle de saison jusqu'à présent. On a commencé tôt la saison de ski. Mais dans le temps des fêtes, avec la pluie, ça a été un petit peu désastreux. Là, on aurait eu beaucoup de neige, donc je vais être là sans fin de semaine. Donc, très occupé, début d'année très occupé, super le fun, on ne voit pas le temps passer. Et c'est ce qui est important. Donc, c'est sur ce que j'ai travaillé dans les derniers mois. Sinon, prochains événements sur Québec et Montréal. Donc, le Rogue, je vous montre. Je sais pas vous montrer l'agenda, je vais en parler. Le 13 février à Montréal, à nos bureaux, sur rue Saint-Pierre. Et à Québec, c'est le 20 février, ça va être au restaurant La Bête sur le boulevard Laurier. Super restaurant, si j'ai jamais allé, là. Très, très beau restaurant. Dispendieux un peu, mais très beau, très belle ambiance. Puis une belle grande salle en arrière pour faire des rencontres jusqu'à 60 personnes. Donc ça va être super. Les sujets, les deux rocks sont pareils. On a mon collègue Sébastien qui va commencer avec une introduction à PCP, Performance Copilot, si vous ne connaissez pas. Je pense que j'ai déjà discuté un peu dans le passé dans les épisodes, mais bref, ça va être discuté, ça va être vous être présenté lors du Rogue. Par la suite, je poursuis moi avec une introduction à Red Hat 8, donc prendre un condensé des trois épisodes que j'ai fait sur Red Hat 8, le faire en 45 minutes, 1 heure. Donc ça va être assez intense. Donc c'est une présentation vraiment plus technique, démo de ce que Red Hat 8 a dans le ventre. Et finalement, Jean-François Saussier, mon collègue Jean-François Saussier, qui est peut-être parmi nous aujourd'hui, va présenter CubeVirt, donc la virtualisation, la containerisation, mettre vos machines virtuelles en container, en fait. Donc, rouler vraiment votre machine virtuelle en utilisant les technologies de container. C'est ce que Jeff va présenter. Donc, trois belles présentations. Je vous invite à joindre à nous. Côté nouvelles, en fait, j'en ai déjà partagé beaucoup de nouvelles au travers de ce que j'ai fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Côté IBM, peut-être vous voulez avoir une mise à jour où on est rendu. Le processus est toujours en branle. En fait, en janvier, tous les actionnaires de Red Hat ont voté. Et je ne dirais pas unanimement, mais majoritairement, les gens ont accepté l'offre d'achat de IBM. Donc, le processus est toujours en cours. On ne s'attend pas à une officialisation de l'acquisition, quelque part cet été. Pour nous, je vous dirais, la business n'a absolument rien changé. Au contraire, on a de plus en plus. On continue d'avoir beaucoup de demandes et on cherche beaucoup de ressources aussi. Je ne sais pas s'il y en a. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez vu passer hier, on a trois postes ouverts dans la région de Montréal. Donc, le travail continue, on a autant de demandes, sinon plus qu'avant. Côté des dernières sorties, beaucoup de sorties depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Je passe très rapidement. Donc, Ansible Lint, si vous ne connaissez pas Ansible Lint, je vous passe ça dans le chat ici. Oups. Ouais, juste là. Donc, Ansible Lint, c'est un projet. En fait, Lint a joint le projet Ansible juste un peu avant les fêtes, là, avec Molécule, que j'avais parlé il y a quelques épisodes. Donc, Lint, en fait, c'est une espèce de correcteur de playbook, en fait, qui va vous donner non seulement corriger, vous suggérer des corrections, mais suggérer aussi des améliorations. Donc, une première mise à jour depuis cette fusion avec Ansible. Donc, ça doit être intéressant. Je n'ai pas eu la chance d'essayer encore. Ansible 3.4 qui est arrivé. Tower 3.4 qui est arrivé le 10 janvier dernier. Quoi de neuf? Beaucoup d'améliorations autour des workflows, donc des workflows playbook. Et je me souviens qu'un de mes clients m'avait demandé cette capacité-là, avait testé les workflows, puis c'était dit, hey, moi j'aimerais ça voir cette capacité-là avec les workflows, qui étaient les nested workflows, des workflows qui appellent un autre workflow. Donc on avait des use cases chez un client pour ça, donc c'est maintenant disponible. Meilleure scalability, évolutivité. Évolution. Je ne sais pas comment on dit ça quand on veut chercher plus de nœuds avec une application en français.
Donc, on parle d'évolution, bref, au travers des jobs slicing et une amélioration au niveau du visuel dans les settings. Bon, quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'essayer encore, malheureusement, et c'est dans ma liste de to-do à faire dans les prochaines semaines. OpenStack 14, Red Hat OpenStack 14 qui est basé sur la version Upstream Rocky qui est sortie le 11 janvier. On dit que qu'il y a des améliorations au niveau OpenStack Bare Metal et dans les mises à jour toujours, qui est toujours un gros morceau dans OpenStack. Sinon, le 16 janvier, je vous colle ça ici dans le chat. Encore une fois, si vous voulez suivre, Podman, que j'ai présenté il y a quelques épisodes, qui est au cœur de Rel 8 pour si vous voulez rouler vos images de container, vos images Docker, vos images OCI. Donc, c'est avec Podman qu'on le fait dans Rel 8. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on tombe à la version 1, version stable. Donc, il va être prêt pour la release de Rel 8 GA quelque part plus tard ce printemps. Ceph 3.2. Qui est sorti le 3 janvier, mais qui a été annoncé un peu plus tard, le 22 janvier. Il y a quelques produits comme ça qu'on a reporté l'annonce officielle parce qu'on laissait les gens revenir des vacances. Donc, grosse nouveauté de Ceph 3.2, c'est le support complet maintenant du nouveau système de fichiers BlueStore. Donc, prêt pour la production, qui va aider sur plusieurs charges de travail, entre autres pour le Data Lake ou Big Data. AWX, qui est la version open source de Tower, et nouvelle monture 3.0, qui est sortie le 22 janvier. Le focus de cette version-là, c'est de passer AWX et Tower en Python 3. Il reste encore des bouts à l'intérieur de AWX qui ne sont pas totalement Python 3, mais ça s'en vient. Et deux dernières sorties, JBoss 7.2 le 22 janvier, et finalement, accompagné de JBoss 7.2, Red Hat SSO, qui était très attendu à Red Hat SSO. Un produit très populaire chez nous, un produit qu'on donne avec nos produits, c'est pas un produit qu'on vend, même chose qu'IDM. Donc 7.3, la version qui est basée sur Keycloak 4.8.3, ça a été une surprise, on pensait que ça allait être basé sur 4.7. Mise à jour importante pour l'authentification de Google, l'API d'authentification de Google dans Red Hat SSO. Donc, à suivre. Donc, c'était les sorties, beaucoup de sorties hein, quand même, avant les fêtes. C'est même si on est en shutdown chez Red Hat, il y a des développeurs qui travaillent et qui continuent à faire avancer les produits, je devine. OK, il nous reste environ 10-20 minutes. Donc, on va parler de Rel 8. On va finir, en fait... de couvrir les nouveautés de Rel 8. Donc, j'avais commencé dans les deux derniers épisodes. Donc, on était rendu à vous parler de ce qui se passe avec Subscription Manager dans Rel 8. Donc, cet outil qui permet d'enregistrer vos machines sur le portail. Super, étape super importante. C'est pas l'étape la plus super le fun avec Rel de devoir faire ça, mais c'est une étape quand même super importante. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Subscription Manager dans Rel 8? En fait, ce que je vais faire, on va lâcher un petit peu là, ma binette. On va aller du côté. On va aller partager l'écran qui est ici. Je vais juste retrouver. C'est vrai, je n'ai pas démarré la machine. Allons voir ça ici. Okay, on va partir de Boxy. Donc, j'ai un Rel 8 qui roule ici. J'espère qu'il roule toujours. Oui. Je vous rappelle que j'ai eu mon crash juste avant de partir le stream. Donc, tout ce que j'avais préparé n'est plus préparé. Donc, j'avais tout parti mes machines virtuelles. On va laisser partir la machine Rel 8 dans quelques instants. Vous parlez de Subscription Manager. En fait, ce qui se passe, c'est le fameux GUI de Subscription Manager. Quand vous installez un Rel 7, là, vous mettez la console graphique, il y a un avertissement en haut qui dit il faut que vous devez enregistrer votre machine, et ainsi de suite. Ça a été retiré dans Rel 8. En fait, la portion GUI de Subscription Manager est rendue dans, je vous laisse deviner, dans Cockpit. OK, dans Cockpit. Donc, comme je vous disais, Cockpit prend de plus en plus de place avec Rel 8. Donc, on a déplacé cette opération-là dans Rel 8. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air dans Cockpit. Donc, je vais me connecter ma machine. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est tranquille sur le chat aujourd'hui. Je devine que c'est clair. Pas de questions. C'est bien.
Ok, donc je suis pas connecté, alors j'ai. Je sais c'est quoi le problème, problème que le démon n'est pas parti par défaut. Donc, mauvais moi, je vais pas avoir parti ça. On va démarrer le démon. On va faire un status avant. Oh, cockpit. Effectivement, il n'est pas démarré. Donc, on va faire un start ici. Donc, si je fais un status, on est démarré. Donc, si je fais un reload ici, voici le cockpit. J'aime pas ça, je ne vois pas. Ok, on est correct. On est ici. Donc, je me suis logué en route sur la machine. Donc, un rappel, cockpit, c'est vraiment l'outil d'administration, la console de gestion maintenant graphique pour elle. C'est une console de gestion web, donc on peut accéder à n'importe quelle machine. On a du temps réel, ce qui est vraiment très cool. On voit ici que ma machine n'est pas enregistrée. Donc, Subscription Manager, on a un nouvel onglet ici sur Subscription pour lequel je peux enregistrer ma machine, me désabonner aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller enregistrer notre machine ici. Voici un petit screenshot de ce qui se passe lorsque je vais enregistrer ma machine. On va s'enregistrer. On va voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. En fait, c'est pas totalement opérationnel du côté du portail puisqu'on est en bêta avec RHEL 8. Mais on est capable d'enregistrer nos machines et voir un petit peu voir le comportement. Donc ça s'est enregistré. Par contre, je ne suis pas certain là, que j'ai accès à du contenu encore sur le portail. Donc, je me sens que j'ai essayé hier, il n'y avait pas grand-chose. On va faire un Yum List Update. Je n'ai pas le dernier build en passant de RHEL 8. Beta. Il faudrait que je le mette à jour. Mais c'est comme je vous dis, je ne suis pas certain que... Ah, ici, j'ai un iTouch Beta. On va voir ce que ça donne. Bref, en gros, c'est ça. On voit visuellement pas beaucoup de choses encore qu'on peut faire. On ne peut pas activer, désactiver des repos. Je devine que ça s'en vient. Là, mais... Ah oui, regardez, justement, le build. Donc, je peux voir les mises à jour. Donc, si je suis capable de voir les mises à jour, si je reviens ici sur le... Je devrais voir dans l'onglet système là, les updates qui sont disponibles. Donc, je peux voir la même fenêtre ici, mais de façon plus graphique. Donc, très cool, le cockpit pour ça. Donc, une autre capacité qui est déplacée maintenant dans le cockpit. Quoi d'autre? Ah oui, tant qu'à parler du Subscription Manager, si je vous fais... je vais parler un petit peu de SysPrep. Ah, pas SysPrep, pardon. System Purpose. J'ai misère à dire ça. On va dire SysPurpose. Pas facile, ça, c'est comme mot. Donc, je vais aller vous faire un choix. OK, SysPurpose, en fait, va vous permettre, en fait, de définir... en fait, c'est une nouvelle opération que va falloir vous fassiez. Côté plate un petit peu, là. Une fois qu'on a enregistré la machine, il faut déterminer à quoi sert la machine. Est-ce que c'est un serveur? Est-ce que c'est un workstation? Est-ce que c'est un abonnement de production qui est mis dessus? Un abonnement premium ou standard? Puis c'est quoi son usage? Donc, c'est des choses qu'il va falloir citer. Dans l'installateur, on a rajouté ces questions-là, mais vous pouvez le faire après avec cette commande-là. Donc ça va vous permettre de consommer la bonne licence du côté du portail. Okay? Parce que dans le passé, on n'avait pas cette opération-là, parce qu'on avait plusieurs ISO. Donc un ISO pour Workstation, un ISO pour le serveur. Maintenant, on va avoir un ISO qui va couvrir tous les serveurs de RHEL. Et vous allez devoir, avec SysPurpose, définir ce que vous faites avec votre machine. Histoire de consommer, encore une fois, le bon type d'abonnement. In-place upgrade... ça a été rafraîchi. On offrait déjà la capacité avec RHEL 7 de migrer de RHEL 6 vers RHEL 7. Avec RHEL 8, ce qu'on a fait, on a réécrit cet outil-là. En fait, c'est un paquet d'outils en fait, qui venait avec RHEL 7. Avec RHEL 8, on a un outil qui s'appelle Leap. Je n'ai pas accès à l'outil Leap encore pour l'instant. Ceux qui sont sur l'iTouch Beta ont accès, peuvent l'essayer. Mais c'est super simple, on installe l'outil. Et si je veux upgrader de 7 à 8, je lance la commande leap et on part le processus d'upgrade. On a vraiment simplifié le travail ici. Donc ça s'appelle leap. C'est un nouveau framework pour permettre la migration de RHEL 7 à RHEL 8. Ça, c'est nouveau dans RHEL 8 aussi. On aura peut-être la chance de faire le test lorsque j'aurai accès au code. En fait, je dois avoir accès, là, c'est juste que j'ai pas joint le bon canal probablement sur ma machine. Mais on reviendra sur ça lorsque RHEL 8 sera officiellement sorti. Quoi d'autre? Vous parlez un petit peu des paquetages qui ont été retirés dans RHEL 8. Il y en a plusieurs. En fait, à la
mission précédente en décembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé des containers, qu'est-ce qui se passe avec les containers dans RL8. Donc j'ai mentionné que Docker n'existait plus. Donc Docker a été retiré. Vous ne retrouverez pas Docker dans aucun dans les autres canaux. On n'a aucune intention de livrer les binaires de Docker. Donc c'est vraiment Podman avec Scopeo et Bulldog qui ont remplacé le daemon Docker. Donc Docker ne sera plus là. Par contre, vous allez pouvoir continuer à rouler vos containers Docker, puisque Podman peut rouler les containers Docker. Donc j'ai eu cette question-là chez un client qui est un peu en mode panique lorsque je lui ai annoncé que Docker n'était plus là. Ouais, mais j'utilise Docker partout. C'est possible néanmoins de rouler Docker. Donc, des images Docker, pardon. Vous pouvez toujours installer Docker si vous voulez. Il va falloir télécharger les RPM dans la communauté et puis rouler. Mais je vous invite, prenez le temps de regarder ce que j'ai présenté à la dernière épisode. Podman, Scopeo, Bulla, super bel outil. En plus, ce n'est pas des démons, consomment beaucoup moins de mémoire. Donc, il fait le travail. C'est pratiquement les mêmes switches que vous connaissez avec Docker. Sinon, NTP, ben, NTP disparaît. Vraiment, c'est Crony qui prend la place. On avait vu dans RHEL 7, les deux sont disponibles. Mais avec RHEL 8, on a vraiment retiré NTP. Finger, vieil outil qui disparaît aussi. Autre gros changement, KDE. KDE, il n'y aura pas de build KDE pour RHEL 8. Quand je dis gros changement, c'est sûr que la majeure partie de nos clients utilisent RHEL aujourd'hui pour des serveurs et non pas pour des workstations. Mais bref, si vous êtes habitué peut-être avec KDE, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Je vous dirais la bonne nouvelle, c'est que ça va vous peut-être vous forcer à aller voir du côté GNOME comment ça se passe. C'est très bien, c'est ce que j'utilise moi depuis le tout début de Linux GNOME. J'ai jamais décroché vraiment de GNOME. Je suis allé un petit peu dans des gestionnaires graphiques plus légers comme XFace par exemple. Mais je suis revenu à GNOME. GNOME a eu des bonnes améliorations dans les dernières années. Donc, on a décidé de focusser sur un seul interface graphique maintenant dans RHEL. Quoi d'autre? Autre config remplacé par AutoSelect. Remplace AutoSelect lorsque c'est temps de configurer votre authentification SSD WinBind et NIS. Et finalement, ça, je vais le mettre en nouvelle ici. Là. Ça fait couler de l'encre un peu. OpenLDAP va être en mode deprecated, donc déprécié. Donc, on va offrir le best support effort encore dernièrement, mais on ne fournira plus de pactage. Donc, je vous montre ça ici. On va le mettre ça dans RHEL 8. Donc, je vous mets l'annonce dans le chat aussi. Si je retrouve ma fenêtre, j'ai trop de fenêtres ouvertes en ce moment. On va envoyer ça ici. Donc, en fait, on annonce qu'on a retiré autoconfig. C'est-tu dans cet article-là? J'ai-tu pris le bon message? Oui, OpenLDAP Server qui va être retiré. Pourquoi on retire OpenLDAP? En fait, on a deux offres déjà d'identité avec RHEL qui soit IDM et Red Hat Enterprise Directory Server. Les deux sont basés sur le serveur RHEL 389DS. Donc, on a décidé de focusser vraiment le développement sur ces produits-là et supporter que ces produits-là, IDM est gratuit en passant, c'est une belle alternative à OpenLDAP. Par contre, si vous voulez faire des schémas custom LDAP, là, il faut aller du côté Red Hat Directory Server qui est un produit payant chez Red Hat. Donc, c'est ce qui change au niveau des paquets qui ont été retirés. Sinon, les deux dernières technologies que je voulais vous parler, je voulais vous présenter, vous parler de Stratis un petit peu. Stratis, c'est un nouvel outil. OK, c'est nouveau. Ce n'est pas un outil que ça fait beaucoup d'années qui est développé. Donc, on est limité un petit peu ce qu'on peut faire avec Stratis. Mais Stratis, son but, c'est de vous offrir un outil de gestion de stockage local. Un peu à la ButterFS que vous aviez. Donc, une gestion par pool. Donc, on va créer un pool, puis on va mettre des devices à l'intérieur. Dans ce pool-là, on va le formater, on va mettre un système de fichiers. Donc, c'est le principe. Ce que Stratis fait aujourd'hui, il le fait très, très bien. On peut faire des snapshots aussi. On se limite à ça pour l'instant. D'autres capacités vont être ajoutées à Stratis, mais je vous dirais, gardez un œil sur Stratis. Je ne pense pas que vous allez l'utiliser à la journée 1 de RHEL 8. Mais c'est un projet open source sur lequel Red Hat met beaucoup d'efforts. Donc, c'est vraiment le but d'offrir une alternative à ButterFS. Donc, on va l'essayer, tiens, juste pour vous montrer. Je suis capable de cette machine-là. Donc, pour installer Stratis,
On installe le client et le démon. Je me demande si je vais être capable. Pendant qu'il fait ça, je vais juste reculer ici. Je vais aller voir si je peux y ajouter un disque. Non, je ne peux pas ajouter de disque. On va l'ajouter d'une autre façon. Ma machine qui est ici. On va lui ajouter un petit disque qu'on va utiliser avec Stratis, en fait. On peut même en mettre deux, mais je vais ajouter un disque stage. Je me cherche. Défaut. Il y a assez d'espace. Bizarre, ça. Je peux pas choisir. OK. On va se faire un petit disque d'un gig. On va l'ajouter. Devrait être capable. Il faut que je redémarre la machine. Bon, je suis pas chanceux. On va redémarrer. On va aller voir si c'est terminé ici. Première des choses. Ouais. OK. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pas chanceux. Là, tout, comme je vous dis, je m'étais tout préparé avant. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est comment l'installer. Pourquoi il n'est pas capable de l'installer? Ouais, il y a des petits problèmes. C'est parce qu'il est connecté au repo du portail. Puis comme je vous dis, là, on est en train de finaliser la connexion de RHEL 8 avec le portail. On est capable de s'enregistrer, mais on n'est pas capable d'aller chercher du contenu pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je peux pas le faire. Bref, pour l'installer, voici pour l'installer. En fait, si vous êtes patient un petit peu, il nous reste du temps un peu. Ouais, je peux vous montrer. Ici. Oups. J'ai une autre machine qui, je pense, qui va fonctionner ici. On va partir cette machine-là. Si ma mémoire est bonne, ben avant de la partir, tiens. Oups. On va. Il y a déjà un autre disque, mais je vais en mettre un autre. On va y mettre un disque d'un gig. OK. Puis on va partir la machine. Tiens, comme ça ici, ça va fonctionner. Des démos qui marchent pas, là, j'aime pas ça. Donc, et je pense que je vais terminer avec ça. Je vais vous parler après la démonstration un petit peu de Wayland. Mais comme ça affecte surtout l'expérience desktop qui est quand même moins utilisée avec RHEL. En tout cas, pour la plupart de mes clients, vous l'utilisez la version plutôt serveur. Mais je vais quand même en parler parce que c'est un important changement dans la distribution. Donc, on est en train de démarrer RHEL. Et j'espère, pour le prochain épisode, en passant, j'ai trouvé la librairie qui est problématique dans OBS. Là. Je devrais être bon pour streamer avec mon nouveau laptop qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide que celui-là. Donc, je suis en train d'essayer de vous montrer comment fonctionne Stratis. Une petite quick introduction à Stratis en quelques lignes. Faut juste vous montrer que c'est simple, là, puis le concept est c'est rien de nouveau, là. On réinvente pas la roue, on utilise ce qui se faisait bien dans les logiciels équivalents à Stratis. Bon, donc on va essayer de voir cette fois-ci. Pas certain que je vais être capable d'aller chercher mes temps. On va regarder si je l'ai pas déjà installé Stratis là. Je pense que je ne serais pas en mesure d'installer de pactage. On installe Stratis-D. Je pense qu'on va être correct. Ouais. Ça me prend le Stratis CLI aussi. Qui est la ligne de commande pour interroger Stratis. Oups.
Donc, Stratis est installé, il me reste à l'utiliser. Il faut que je démarre aussi, bien sûr, c'est vrai, c'est un démon. Système CTL, Stratis. Oui, c'est bien start. Stratis. On va l'avoir. Donc, juste pour être sûr, on va regarder s'il est enablé. Enable, oui. Status, bien démarré. Bon, donc Stratis est parti. Ce qu'il me reste à faire, tout simplement, c'est le nouveau périphérique que j'ai rajouté. On va juste faire un fdisk-l pour voir s'il est bien là. Donc, j'ai un SDC d'un gig ici. Donc, on va créer un volume, en fait, un pool, en fait, excusez. Et c'est aussi simple que de taper ces commandes-là. Comme je vous dis, on n'a rien réinventé, là. Pool, create. On donne le nom du pool, donc my pool, et le nom du device que je vais ajouter au pool, tout simplement. OK. Par la suite, je vais demander à Stratis de créer un système de fichiers sur ce pool-là. Et je lui donne un nom, MyFS1. OK, système de fichiers qu'il met par défaut, je pense que c'est le seul qu'il supporte pour l'instant, c'est XFS. OK, donc il me reste à le monter, donc je peux faire encoder MNT Stratis. OK, et je vais faire un mount de Stratis. Non, c'est. Crois que c'est dev. Je pense qu'il y a eu une mise à jour là-dessus. Là. Je pense qu'on a retiré le mot dev. En tout cas, bref, avec dev ou sans dev, là, ça peut marcher. Et je vais monter ici. Donc, si je vais dans MNT, je fais un ls moyen maintenant. Ds moyen. J'ai un petit blanc, là. Du-h. Df-h. Voilà, voilà. Trop de commandes aujourd'hui. Donc, j'ai un Stratis qui est monté ici avec. Pourquoi qu'il y a un terabyte? Il y a peut-être une petite erreur. Peut-être un petit bug, mais bref, pour vous montrer que ça fonctionne, je pourrais rajouter des devices au pool et automatiquement mon pool, mon volume disponible aurait plus d'espace de disponible. Quoi qu'un terabyte, là, j'en ai plus qu'assez. Mais donc, c'était pour vous montrer vraiment que c'est hyper simple. Il suffit de l'installer et de se connecter. Maintenant, dernier sujet que je voulais parler, c'était WLAN. Donc, WLAN, pour ceux qui ne savent pas, WLAN, c'est le nouveau serveur graphique qui vient intégrer dans RHEL 8. En fait, il est apparu dans Fedora depuis quelques releases. Je l'utilise quand c'est possible dans mon Fedora. Il y a certaines applications encore qui ne sont pas compatibles avec WLAN. C'est le cas d'OBS. Mais de plus en plus, les applications s'adaptent. Firefox a annoncé aussi le support complet de WLAN. WLAN, en fait, remplace X11. X11 est là depuis le tout début de Linux, donc ça n'a jamais été réécrit. Donc, on a une meilleure architecture maintenant proposée avec WLAN. Théoriquement, beaucoup plus rapide à démarrer le serveur graphique. Puis les logiciels aussi vont réagir. On va être plus fluide sous WLAN parce qu'on a une architecture en dessous qui est beaucoup plus récente. Et ce qui est le fun avec WLAN, je pense qu'on peut le faire avec X11. Je ne l'avais jamais fait, mais je l'ai testé avec WLAN. Ça avait été une petite démo que je pourrais faire peut-être dans un prochain épisode. On peut partir deux interfaces, deux moteurs, deux serveurs graphiques WLAN à partir de la même écran et promener des applications d'un serveur à l'autre. C'est super le fun à voir. C'est quoi l'utilité? Il n'y a pas vraiment d'utilité à ça, mais c'est un concept qu'on peut faire avec WLAN. Donc, avec WLAN, en gros, c'est configuré par défaut. Je vais juste regarder sur le RHEL 8 qui est ici. Si je vais aller voir c'est quoi mon display, je lance un écho ici. Je pense qu'il n'est pas configuré sur celui-là. Étrange. OK. Je vais juste vous montrer ici sur mon poste. Bon, c'est parce que je pense que je suis en route. Ouais, pour ça. Ouais, exact. Donc, ici, je demande en fait d'afficher le nombre
de serveur WLAN qui est démarré, il y en a juste un. Je pourrais en avoir deux, trois. Et lorsque je lance une commande, je pourrais spécifier tout simplement sur quel serveur graphique l'envoyer. Je pense qu'il y a l'équivalent en X11, mais bref, avec WLAN, c'est assez simple. En fait, si vous voulez lancer une application dans un serveur WLAN spécifique, vous mettez le display 1 et vous lancez comme. Là, ça ne fonctionnera pas parce que. Oui, ça fonctionne. Étrange, parce que WLAN 1 n'existe pas. Je devine qu'il l'envoie par défaut sur le serveur. S'il y en a juste un, sur l'image 1, si j'essaie de voir. Bon, il l'envoie tout sur la même. Donc, si j'en aurais plusieurs, je pourrais spécifier tout simplement quelle fenêtre WLAN, quelle session WLAN, pardon, je cherchais le mot, là, je vais l'envoyer. Bref, ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Désolé pour le délai, les petits problèmes techniques. Comme je dis, j'étais mieux préparé sur l'autre ordinateur, mais j'étais sûr que c'était l'ordinateur qui était problématique. Fait que j'ai switché rapidement sur mon laptop, mais finalement, l'autre laptop avait le même problème. Donc, j'aurais dû garder mon laptop pour poursuivre. Donc, prochain épisode, vous vous souvenez, j'avais ralenti un petit peu la cadence en épisode. Parce que je tiens à me préparer pour ces épisodes-là. Comme vous pouvez voir, là, je rassemble beaucoup d'informations. Ça prend du temps. 2 semaines, ça venait très rapidement. Donc, j'ai diminué la cadence. Je le fais aux 3 semaines. Ça me donne plus de temps à me préparer. Puis, ça me donne plus de contenu à trouver aussi pour vous. Donc, le prochain épisode devrait avoir lieu le 22 février, s'il n'y a pas rien qui survient d'ici là. Alors, c'est bien. Fait que surveillez, encore une fois, si vous voulez, je vais peut-être publier une vidéo hors ligne sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire à ma page YouTube si vous voulez être notifié de ces nouveaux vidéos-là. Donc, j'ai bonne intention là, de faire une vidéo sur le véhicule que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous montrer un petit peu ce que ce véhicule-là nous offre à nous, les geeks. Donc, sur ça, je souhaite une bonne fin de semaine. Merde, encore avec mon écran. Une bonne fin de semaine à tous et on se voit dans 3 semaines. Bye.